Il a dormi à la maison. Il a dormi à la maison. Ah, ah. Ouais. Mais dans la loge, il a dit qu'il avait dormi dans sa voiture. Dans son camion. Ouais. Alors si ma maison ressemble à un camion, je vous le dis. Non, mais c'est bon. Quoi. Mais il a dormi à la maison. Ah, j'ai dormi. M'a fait une petite pièce. Je lui ai gentiment proposé en disant pourquoi tu m'as pas appelé, tu aurais dormi à la maison et ouais, dans le canapé, tu m'as dit. Bah, j'ai pas mal au dos, j'ai une scoliose, tu veux que je dorme dans le canapé. Non mais pose-moi ton lit au moins. À quelle heure tu travailles? Et ce matin, je l'ai appelé. Ouais. Pour savoir s'il était réveillé. Ouais. Mais si grand que ça à la maison? Quoi? Si grand que ça la baraque? Non. J'ai pris la golfette et je suis allé la réveiller. La voiturette. J'étais réveillé. Mais non, mais on était dans la chambre à côté, mais j'allais pas rentrer si je le voyais en slip. J'ai vu assez d'horreur pendant la guerre. J'ai dit, t'es où? Tu m'as dit, je suis en train de yèche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que je voulais pas que tu rentres dans la chambre, j'étais à poil. D'accord. J'ai dit, ouais. Moi, 4h45 et 5h05 si je fais une grasse mat. Oh là là. Ouais. 5h05. Ouais, c'est 5h05, c'est le délai, il faut partir. Ah ouais. Sinon, c'est plus la peine, c'est grave. Mais tu sais que ça commence à se voir. Ça commence à marquer, là. Très bien. Vous arrivez à quelle heure? Quelle heure se lève l'Amérique? Hein? Ah, mais c'est vrai. À quelle heure se lèvent les Américains? Les Américanos, là. Alors. Avant d'avoir des enfants, je me levais toujours super tard. Non, c'est vrai. Ouais, genre 10h, 11h, quand je travaillais pas. Ah ouais. Et depuis que j'ai des enfants, très très tôt, en fait, dès qu'on a des enfants, les mamans sont en phase avec leurs enfants et mon fils se réveille en général vers 6h30. Ah ouais. Donc voilà. Quoi, il est boulanger, votre fils? J'ai pas fait une grasse mat depuis 7 ans et ça me manque. Oh. Il est veilleur de nuit, ton fils Ouais. Non, mais t'as pas fait une grasse mat depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ah ouais. Ah, même les week-ends. Faut qu'il dorme chez Castaldi. Pourquoi? Il a plein d'enfants, mais. Non, mais c'est vrai. Mais il se gère tout seul, en fait, les enfants. Il a un programme le matin, Castaldi. Tous les matins, il a un petit programme. Non, pas du tout. Mais mon fils dort dans mon lit maintenant, c'est terrible. Non, c'est vrai? Ah ouais? Alors, je te tiens à dire. Alors, le matin, les sessions du matin. Donc, c'est fini avec ta meuf. Ah, bah là, toutes les nuits, il arrive dans le lit à 2h du matin, il vient finir sa nuit dans mon lit, au milieu. Pourquoi il rentre debout? Il a quel âge? Il rentre de boîte. Il a 2 ans et demi. Il rentre de boîte. C'est un enfant. Nino, qui est de retour. Applaudissements. Merci. Bravo. Comment il va? Ça va. Hein. La question, je vais pas répondre. Je me lève tôt vers 14h, donc j'ai peur qu'on me demande pourquoi. Donc ouais, je suis étonné que vous leviez si tôt tous. On se lève tôt. Vous bossez 2 heures par jour le soir, ça va. À part Raymond qui fait les livraisons, mais sinon. C'est dit. Y a pas besoin. Non, je parlais pas de vous, je parlais de l'autre. Je suis très content d'être revenu, c'est ça que je disais. Je suis très content d'être là. Les gars. Ça fait plaisir. J'adore les gens qui se lèvent tôt. Et le sapin de Noël, c'est très beau le décor. C'est très beau. Hein. Nino, c'est ton vrai nom? Bah ouais. T'aimes pas? Si. Mon fils s'appelle Lino. Ouais, à une lettre près, on était pas mal. T'étais pas mal à Motus, toi. Non, mais sérieux. Nino. C'est Nino, c'est ton vrai nom, c'est pas un diminutif. Non. Comme Nino Ferrer. Quoi? Ouais, c'est ça. Comme Nino Ferrer. Nino Ferrer. Oh là là. Nino Ferrer, le sud. Le sud. Magnifique. Ça commence comment, le sud? On dirait. Pas du tout. C'est un endroit qui ressemble à la lune. C'est en train de chercher, là.